Tout est propre, tout est désaffecté. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de, de Vous avez la parole. On va débattre et on accueille Aurore Berger. Bonsoir, Bonsoir. présidente déléguée du groupe La République en marche à l'Assemblée et députée des Yvelines. Emmanuel Ménard, vous êtes député non inscrite de l'Hérault, proche des idées du Rassemblement national. Alexis Bonsoir. Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Boris Vallot, porte-parole du Parti Socialiste, député des Landes. Sandra Bonsoir. Regol, vous êtes secrétaire nationale adjointe du Parti Europe Écologie des Verts. Bonsoir. Et Julien Aubert, député LR du Vaucluse. Merci à tous les six d'avoir été là, d'avoir suivi. Je crois que vous venez pour la plupart sous vous, Sandra. Je pense que vous, vous, êtes, vous venez tous de l'Assemblée nationale et que vous allez y retourner ensuite, c'est ça, pour continuer euh, ça débat à, à, à débattre des chine. débats sur le séparatisme. Regardez l'heure. Non, à minuit, c'est terminé. terminé. À minuit, c'est terminé. Ouais. À minuit, terminé. Bon, bon, terminé. Bah, ça pour bon. demain matin. Que vous avez regardé le débat. Et il y a Nathalie quand même, hein. Nathalie et Brice. Vous pouvez les Bien oublier. sûr, Nathalie. Nathalie, bonsoir à Brice. Pardonnez-moi. Par, euh, pardonnez Alors, premier tour de table, très rapidement. On ne va pas faire trois euh, heures de débrief, mais clairement, qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez retenu de ce débat entre Marine Le Pen et euh, Gérald Darmanin Bonsoir. Ah, parole aux hommes en premier. Allez, oui. <laughs> Bonsoir. Euh, on a annoncé le grand duel, c'est ce que vous avez dit, Léa Salamé. Moi, j'ai surtout entendu le grand duo. C'était un peu surprenant parce qu'on a eu des moments quand même qui doivent être relevés. Il euh, y a une loi qui a été discutée par les deux. D'ailleurs, les thèmes étaient un peu obsessionnels. Hein. Une heure de débat pour parler de islamisme, d'immigration et du voile. Alors que le pays, quand même, aujourd'hui, rencontre une crise sans précédent. Il y a du chômage, nos étudiants font la queue. etc. C'était un, un parti on c l'a Oui, mais c'est un reproche, pour le coup. Et je pense que ça montre un premier décalage. Mais le grand duel, le grand duo, c'est qu'on a vu quand même Mme Le Pen dire à propos de cette loi, qu'hormis un, un article qui est une question secondaire, à savoir l'instruction en famille, ou franchement, même la dernière modification de la part du gouvernement fait que quasiment les familles vont être peu concernées. Elle voterait cette loi. Puis après, le livre de Darmanin, elle dit qu'elle est prête à le signer avec lui. Et puis après, c'est même Gérald Darmanin qui dit que vous êtes un peu, un peu trop molle. Donc on avait vraiment l'impression que finalement, il y a là une convergence d'idées. Hein, plus qu'une confrontation, il y avait plutôt euh, des convergences. Alors que je pense que le pays attend autre chose que cette convergence d'idées et que ces thématiques sans cesse re, re, rebâchées. Entre merci les deux. de ce commentaire et merci de ne pas avoir regardé votre patron sur une autre chaîne et d'être resté avec nous ce soir. Non, <laughs> euh, mais, juste euh, Thomas Sonto, En toute gentillesse, c'est pas mon patron. Rassurez-vous, je suis pas l'employé de Jean-Luc Mélenchon, donc c'est euh, mon président de groupe peut-être. Votre président de groupe. Non mais, bon, mais. Soyez précis. <laughs> ouais, absolument. C'est euh, pas gentil. Plutôt qu'un duel, un duo. C'est ce, ça aussi à euh, ce à quoi vous avez assisté. Non mais ce qui m'étonne, c'est qu'en permanence, quand on parle de ces sujets-là, on considère que. Enfin, certains considèrent qu'il ne faudrait pas en parler. Il y a eu un parti pris assumé, en effet, parce que c'est une question qui intéresse les Français, parce que c'est une question qui intéresse aussi leur quotidien, parce que la question de la lutte contre l'islamisme, malheureusement, elle est entrée très violemment dans le quotidien d'un certain nombre de Français. Vous l'avez dit, je suis élue des Yvelines, et vous avez d'ailleurs parlé de ce département. Pour deux raisons d'actualité, malheureusement, à la fois la décapitation de Samuel Paty et ce qui s'est passé récemment avec un enseignant à trappe. Donc, ça veut dire que c'est chez nous, que c'est près de nous et qu'on ne peut pas faire comme si, d'un côté, on avait soit un voile pudique, une complaisance coupable, qui fait qu'on préfère ne pas voir, ne pas dire. Ça, c'est une fond. obsession, ça, sur qui fait qu'on qu ne voit plus que ça. Mais comment vous avez trouvé l'un et l'autre ben, Moi, je pense qu'il y a eu une clarté et qu'on a vu des différences de manière très nette aussi sur l'approche, notamment sur la question de l'immigration, à la fois sur les faux chiffres de Marine Le Pen, qui décidément ne les maîtrise pas mieux aujourd'hui qu'elle les maîtrisait dans le précédent débat. Et je crois que cette clarté était la bienvenue. Boris Vallaud, vous avez vu des, des différences ou des... un duo, comme m'a dit Alex Corbière Manifestement, ils se sont choisis. Et ce soir, dans une discussion badine que j'ai trouvée assez terrible, euh, il se posait la question de savoir sur quoi il pouvait s'entendre néanmoins ou quelles étaient euh, les différences. Il euh, n'y a pas de possibilité de s'entendre avec l'extrême droite. Je crois qu'il faut le dire avec euh, beaucoup de netteté. Et euh, le ministre aurait dû dire avec beaucoup plus de netteté à quel point euh, l'adversaire de la République, c'était aussi l'extrême droite. Et puis, en effet, il y a eu... Euh, les obsessions de l'une et puis les impasses de l'autre, parce que toute l'ambiguïté de cette loi est, au fond, même si c'était votre parti pris, c'est peut-être celui aussi de cette loi. C'est de dire, au fond, il y a une main droite et une main gauche. C'était au fond l'équilibre qui avait été trouvé par le président de la République dans son discours. Mais là, on n'a plus que la main droite. La République, ça n'est pas que des injonctions, que des interdictions, que des dissolutions. C'est aussi des principes qu'il faut faire vivre. En acte ce on sent que le parti socialiste est un peu mal à l'aise avec cette mais, loi. Vous vous êtes abstenu mais, en mais, commission. Qu'est-ce que vous en pensez de ce texte Mais écoutez, alors vraiment, on attendait, cette grande loi du quinquennat. Vous savez, une loi qui, qui prétend se hisser à hauteur de principe. Et il y a ça, il y a toutes ces impasses. Moi, j'aurais aimé ce soir que l'on on parle, puisqu'on parlait de séparatisme, qu'on parle à ces familles qui, je pense à l'association No Ghetto, disent. On a besoin de mixité sociale dans nos écoles. On a besoin que la promesse républicaine ne soit pas démentie depuis le plus jeune âge. J'aurais aimé qu'on parle de ces communes qui, depuis Mais 20 ans, ne respectent ça, pas les lois de la ça, République. Ça veut dire, Boris Vallou, que les socialistes ne voteront pas cette loi mardi prochain Ils Je pense contre... que nous ne la voterons pas, parce que c'est une loi qui, fait, qui est une, une, une impasse considérable. Vous regarderez dans le détail. Il y a beaucoup de choses que nous avons votées. Et puis, il y a beaucoup de questions que nous avons posées qui sont demeurées sans réponse. Et puis, c'est le grand vide. C'est le grand vide. Est-ce qu'on vivra mieux après cette loi ensemble qu'avant non. Emmanuel Ménard. Oui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec le ton badin. Je n'ai pas trouvé du tout que le ton était badin entre, entre M. Darmanin et Mme Le Pen. Au contraire, je trouve qu'ils ont pointé du doigt un certain nombre de problèmes qui sont effectivement des problèmes du quotidien pour les Français. Euh, L'islamisme, qui ne fait pas partie, qui n'est pas dans le, dans, dans, dans le projet de loi. C'est un projet de loi pour le respect des valeurs républicaines. Euh, L'islamisme n'est pas pointé. L'immigration fait partie des grands absents de ce texte. Euh, on on l'a dit. Le voile n'est pas non plus évoqué. Euh, Madame Berger pourra en témoigner puisque même si ces amendements, alors qu'elle fait partie de la majorité, euh, n'ont pas voulu, euh, n'ont pas été retenus. Et puis, et puis, euh, et puis l'actualité, parce que euh, Monsieur Corbière, vous dites que euh, l'instruction le, le, à domicile, l'instruction en famille, c'est accessoire. Je suis d'accord avec vous. C'est pas tout à fait prioritaire quand on voit quand on voit euh, euh, effectivement ce qui se passe dans l'éducation nationale et dans l'école publique aujourd'hui en France. On l'a vu avec ce professeur de philosophie, Didier Lemaire, attrape euh, qui euh, qui est obligé d'être plus ou moins protégé par la famille parce qu'il est menacé de mort euh, de la même façon que l'a été Samuel Paty euh, au mois d'octobre dernier. Euh, je pense que c'est aussi un des grands absents. Et j'ai eu l'occasion de le rappeler à M. Blanquer tout à l'heure dans l'hémicycle, c'est aussi un thème qui est complètement absent de ce, de ce projet de loi. On parle de l'éducation, euh, de l'instruction en famille, et il faut en parler parce que cette disposition n'est pas une bonne disposition. On parle des, des écoles hors contrat, Allez, on mais on ne parle pas de l'école publique comme si tout se passait bien à l'école publique. Alors on le voit, tout ne se passe pas bien dans l'école publique française. Julien Aubert, comment avez-vous trouvé, est-ce que ça allait plus vers un duel ou un, un duo selon vous je ne suis pas là pour qualifier leurs prestations, mais j'ai trouvé Marine Le Pen pas très réaliste dans ses propositions. Et Gérald Darmanin, assez utopique sur la réalité. Il aime les chiffres, il a manipulé les chiffres. Il aurait peut-être fait un bon expert comptable. Euh, en revanche, pour être un bon ministre de l'Intérieur, il faudrait apprendre aussi à ne pas toujours contourner la réalité. Par exemple, lorsqu'on vous explique que bah, le nombre d'étrangers. Euh, N'a pas bougé. Bah, effectivement, euh, comme vous naturalisez tous les, tous les ans un certain nombre d'étrangers, euh, vous ne les comptez plus dans vos statistiques. Il a oublié Mayotte. Euh, il a oublié aussi de, de rappeler que lorsqu'il était allé au Maroc pour juguler l'immigration, ça s'était mal passé. Bon, et ensuite, il a évidemment fait une présentation très optimiste de son texte. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est finalement le décalage entre une discussion qui parfois était marquée par des convergences. Parfois même, d'ailleurs, j'ai eu l'impression qu'ils s'étaient croisés, parce que Marine Le Pen voulait absolument être consensuelle. D'ailleurs, je crois que Gérald Darmanin a dit elle est très molle. Et Gérald Darmanin voulait absolument être très dur, au point qu'à un moment donné, je me suis dit ils vont inverser les sièges. Et donc, je dirais, conversation très civilisée, courtoise, et en même temps, la réalité. Et la réalité, c'est des femmes voilées dans les rues, la montée, je dirais, d'un islamisme conquérant, et puis ensuite, les événements tristes. Qui ont conditionné cette loi, et à mon avis, cette, cette loi ne réglera pas les problèmes qui ont été causés. Sandra Regol, bonnet blanc, blanc bonnet, vous aussi, c'est ce que vous avez vu, ou vous voyez quand même des différences et des choses qui vous intéressent dans cette loi qu -ce Qu'est-ce qu que vous dites là ce soir après ce débat J'ai vu un concours de nuances. Je pense qu'on est pas mal ici à avoir vu un concours de nuances. Moi, je pensais, étant donné la thématique du débat, qu'on allait aborder les valeurs de la République, qu'on allait parler de comment est-ce qu'on fait vivre les lois sur la laïcité ensemble, de comment est-ce qu'on fait évoluer la nation vers autre chose. Et au lieu de ça, on a eu une espèce de petite guéguerre picro-colline, très très loin du duel entre la République en marche et le Rassemblement national qu'on nous vend à longueur de journée, très très loin de ce, de ce débat de valeur. On a eu de la petite politique. Et c'est dramatique dans la période que l'on vit, c'est dramatique dans ce moment où on a besoin de ressentir un espoir, de savoir comment est-ce qu'on fait corps, comment est-ce qu'on fait société ensemble, plus encore avec cette crise sanitaire et cette crise économique qui avance. Et face à ça, on a un personnel politique qui se complète dans la petitesse. Et ça, c'est un constat fait très mal. la Parce que le sujet de l'islamisme politique, c'est un sujet petit ou accessoire à vos yeux Non, c'est ni un petit sujet ni un sujet accessoire. Mais le vrai sujet, c'est le terrorisme. C'est pas est-ce que des gens, des femmes portent ou non le voile C'est comment est-ce qu'on combat sur ce terrorisme qui nous en deuil Comment est-ce qu'on travaille au fond et réellement Et moi j'ai un vrai problème avec la politique développée par le ministre de l'Intérieur, qui est qu'on a beaucoup de propos, beaucoup de mots, mais peu de résultats. La police n'a jamais autant euh, fait grève, j'allais dire, en tout cas n'a jamais autant protesté, n'a jamais autant souffert. En face on a des populations dans les banlieues ou simplement les manifestants qui souffrent aussi. Tout ça, on n'en a pas parlé. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui sépare dans notre société, ça, on n'en a pas parlé. Et moi, les écologistes et moi, la seule chose qui nous intéresse, c'est comment est-ce qu'on répare. Laura Berger Pe peut-être pour répondre sur la question de la sécurité ou de l'insécurité que, que vous abordez, vous parlez des, des policiers. Euh, je crois que c'était essentiel dans le débat de réaffirmer évidemment notre soutien à la police. J'espère que vous pourrez aussi le dire parce que qu'on a vu régulièrement un concours sur les plateaux pour être celui qui finalement avait les mots les plus durs à l'égard de nos forces de l'ordre, oubliant les risques qui sont pris matin, midi et soir par elles et qu'aucun d'entre nous ne prenons dans notre quotidien ici autour de ces tables. Donc je crois que c'est le premier point. Ensuite, il y a des moyens qui sont nécessaires pour nos forces de l'ordre. On a voté des budgets sans équivalent. Il y a un milliard d'euros supplémentaires qui a été voté. Malheureusement, pas par tout le monde ici. Justement, pour le ministère de l'Intérieur, ça veut dire augmentation des moyens matériels, humains. Ça veut dire rénovation aussi immobilière, parce qu'il y avait des conditions indignes parfois de logement de nos gendarmes, de commissariats qui n'étaient pas au niveau. Ça veut dire des nouveaux véhicules. Ça veut dire concrètement améliorer la sécurité au quotidien de la. Pour Alors, les Français, Aurore Berger, ça, il, a, a, il a beaucoup été question dans la première partie de cette émission des, des violences policières. Et écoutez la réponse de Gérald Darmanin tout à l'heure. Éthique de partout. Je veux aussi dire que les policiers et les gendarmes sont des gens admirables, qui font un travail formidable. On doit améliorer bien sûr leur formation, et on doit améliorer leur intervention. Mais sur 5 millions d'interventions par an, qu'il n'y ait que 100 000 signalements, pas des plaintes, 100 000 signalements sur 5 millions, qu'il est vrai qu'il y en a qui déconne, pour reprendre un mot euh, qui me permettra de faire votre prochain teasing, la prochaine émission. <laughs> mais Pourquoi je, vous en jouez je me, refuse, je me refuse de condamner une toute petite partie en disant que c'est le tout. Alexis Corbière, il vous a convaincu, le ministre de l'Intérieur sur ce sujet-là, sur ces questions-là. Vous avez entendu ses réponses, elles sont sur audibles. les violences policières. Non, mais bon, il a le tort. Y compris il ne rend pas service à la police. Il veut absolument pas discuter de vrais sujets en considérant que sitôt qu'on pose le problème ici ou là de comportement inacceptable de policiers, qu'on s'en prend en toute la police. Je pense qu'il ne rend pas service à la police. On a besoin qu'il y ait un lien fort entre la population et la police. Mais moi, surtout, ce que je voudrais, ce que, ce que je souligne, parce que je voudrais pas donner l'impression que le débat euh, me pose problème comme sujet, mais oui, aujourd'hui, notre société se fragmente. Il y a une archipélisation de la société. Il y a même des études qui ont été faites là-dessus qui est très vraie. La République se disloque. Et il faut comment on recrée une envie de République. C'est le sujet. Moi, par exemple, j'ai utilisé l'expression. Pour reprendre le mot de Macron, il y a un séparatisme dans ce pays par an. Le séparatisme scolaire, parlons-en, parce que la République, c'est d'abord l'école publique. Et l'école publique, aujourd'hui, ce n'est plus la même selon les quartiers où on habite. Moi, je suis lui de saint, -Saint bah, Vous êtes d'accord avec Emmanuel M Ménard sur ça bah, Pourquoi pas enfin, Je veux dire, si vous tenez absolument non, mais... à souligner... Ah, non, mais non, pour non, le Je godarrer. note que vous êtes tous les deux à insister sur les problèmes de l'école publique. Bien non, sûr, mais c'est le sujet. Parce qu'on parle de République, il faut que ça s'incarne. La République, elle est démocratique, laïque et sociale. Très bien. Mais c'est l'école qui est le lieu de ça. Selon l'endroit où vous mettez votre gamin aujourd'hui à l'école, ce n'est pas le même parcours de vie. Et il y a aussi quelque chose qui fait concurrence à l'école publique. Alors on ne sera plus d'accord tous les deux. C'est l'école privée. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'en veux pas aux parents qui mettent les enfants dans l'école privée, mais elle est financée sur fonds publics et on voit, il y a un accroissement du fait que les catégories les plus favorisées vont de plus en plus dans l'école privée et les catégories populaires vont de plus en plus dans l'école publique. Alors, comment on travaille là-dessus? Est-ce que c'est en fermant des classes comme le fait M. Blancard à la rentrée prochaine? Est-ce que c'est qu en acceptant qu'en Sainte-Saint-Denis, en raison des absences des profs non remplacés, les enfants perdent une année de scolarité sur la totalité de leur parcours? Alors qu'à l'inverse, on a des établissements totalement différents. Ça, c'est le sujet. C'est pas dans la loi. Alors c'est ça qui m'agace, y compris même la, la sujet du terrorisme, je conclue là-dessus, n'est pas abordé par cette loi. Que les Français qui nous regardent, qui n'ont pas lu les 52 articles de cette loi, ne croient pas que la police a plus de moyens, que Faros bien. a plus de moyens de surveillance, n'est pas bien. dans cette loi. Non, c'est pas dans cette on loi. Voit on votez des budgets qui permettent Et de ça donner des pas moyens, vous, vous ne les votez pas. Vous avez commencé fait, le débat. Non mais attendez, bon, c'est un sujet sérieux parce que le terrorisme c'est oui. un sujet sérieux. Sandra Rogol a raison de le dire, le terrorisme, on lutte avec des moyens de l'antiterrorisme. Et là-dessus, franchement, vous êtes en dessous de la main. Pharos, pour surveiller tout ce qui se passe. Pharos, c'est la plateforme. Voilà, où, la plateforme euh, pour surveiller. On signale quand voilà. il y a... Avant quand le drame Samuel Paty, a... c'est 30 fonctionnaires. 30. Bon, je veux dire, franchement, ils n'ont pas les moyens. Alors, depuis, c'est tellement ridicule que euh, M. Darmanin a dit qu'il allait augmenter. Mmh. Pour l'instant, on n'y est pas. Nous, on propose vraiment de mettre les moyens. Et pareil, après, sur l'antiterrorisme. M. Sarkozy a rendu de mauvais service À l'époque, où on a fusionné les, nos systèmes de renseignement. Bon, tout ça, c'est des sujets sérieux. Et à côté de ça, on organise un débat pour savoir si on doit porter le voile ou pas dans la le rue. – Franchement, oui. attendez, je, pendant qu'on va mais je ne pas la parole non, non, non plus. Oui, – parce oui, que, non, allez. et j'arrête, le voile et le terrorisme, ça n'a aucun rapport. – Julien Aubert. – Non, la, la droite doit de toute façon, sur, sur les sujets euh, qui nous occupent, un jour aussi faire son inventaire. Euh, la droite, quand elle est au pouvoir, a fait des erreurs. Et à mon avis, on doit revenir sur ces erreurs. Et par exemple, notamment sur le nombre de policiers. Après, moi je n'aime pas les débats qui dérapent. À l'origine, rappelons ce que nous avons. Nous avons trois attentats terroristes commis par des terroristes qui sont d'origine étrangère, qui sont rentrés sur le territoire, parfois qui sont en situation irrégulière, d'autres ont demandé l'asile. Et ils sont tous connus de la, de la police pour des faits de délinquance. Ça, c'est le point de départ. À je pour ne être pas tout que... à fait complet, si on prend le point de départ, sur les 30 derniers attentats, il y en a 22 qui ont je... été connus par les nations. Je parle des trois derniers, voilà. puisque c'est comme, comme ça, ça donne oui. des, tous les éléments de compréhension. Euh, à l'arrivée, je ne voudrais pas que ça se termine par « donc le problème, c'est l'école privée », qui, euh, en l'occurrence, n'a strictement rien à voir avec le sujet. Euh, il se trouve qu'après, ce texte, en réalité, vise beaucoup de sujets. Vous avez le terrorisme, vous avez l'islamisme, vous avez le communautarisme et vous avez l'organisation de l'islam en France. C'est déjà beaucoup. Je crois même d'ailleurs que c'est une erreur d'avoir mis dans ce texte l'organisation d'un culte avec le combat contre l'islamisme, parce que ben, vous avez les amalgames qu'on voulait éviter. Et d'ailleurs, moi, ce qui me gêne dans ce texte, c'est que quand vous arrivez en disant notre problème, ça va être l'islamisme que nous allons combattre, et qu'à la fin, ceux qui réagissent le plus durement, ce sont tous les autres cultes qui ne sont pas concernés, et qui disent, mais finalement, vous êtes en train de changer nos règles, ça veut dire qu'il y a eu un problème, à mon avis, dans la tuyauterie. Et après, ce texte ne va pas assez loin sur le terrorisme. Moi, je crois qu'il faut arrêter de raisonner en droit constant, prendre le sujet de la Cour européenne des droits de l'homme. Trouver éventuellement des juridictions, créer des juridictions d'exception. Je pense que sur le communautarisme, il y a le sujet du voile, effectivement. Ça n'est pas que le sujet. Et on s'est égaré dans des sujets très symboliques. Non, non, moi je vous parle du communautarisme. Ce projet de loi, c'est contre le séparatisme. C'est pas bien. Mais le mot n'a pas répondu. Je ne crois pas problème, Léa Salamé. C'est nos quartiers légitimes. Moi je ne légifère pas. Non, mais c'est quoi Si vous me permettez, c'est un projet de loi. Le projet de loi, il se repose sur la loi, sur la législation. Le séparatisme, ce n'est pas une notion qui existe dans la loi, ce n'est pas une notion qu'on peut quantifier. Et le problème avec ces projets de loi qui sont d'affichage, au lieu de renforcer les moyens qui sont nécessaires, c'est qu'ils aboutissent à un millefeuille qui, au pire, est un boulet pour, le, pour euh, la justice et qui va devoir s'appuyer sur ce millefeuille qui va parfois s'opposer. Et au mieux, ça ne fait rien. Et le souci, c'est qu'on a déjà des outils dans la loi qui existent. Aujourd'hui, on a les moyens de mobiliser. Des forces de l'ordre pour surveiller des personnes dont la vie est menacée quand ce sont des agents publics. C'est l'article quatre Il n'y a, a pas besoin, de ce, cette loi elle est Si elle vous est me utile, laissez, utile, Si vous me laissez oui. juste finir, oui. ce dont on a besoin, c'est de mettre des moyens au lieu d'avoir des lois qui sont des aveux d'échec. On a besoin de moyens pour la justice, on a besoin de moyens pour l'investigation, pour la police. Ces moyens-là ne sont pas là. Et je suis désolée, Madame Berger. Vous dites que vous avez ajouté des moyens pour les forces de police. Mais j'ai envie de vous dire, il était temps. Combien de policiers devaient racheter des casques parce qu'ils n'en avaient plus Combien de policiers devaient racheter leur matériel parce que l'État ne leur fournissait pas C'est ce ça Gérald la réalité aujourd'hui. Mais alors, c'est là où le bas blesse. C'est qu'il y a toujours des mots pour dire « il faut faire ça, nous allons le faire ». Mais allez dans les commissariats, regardez la réalité. Regardez le manque criant de moyens. Il a parlé de formation, mais il n'y a pas que ça. Et je finis juste là-dessus. Il faut vraiment que la parole que que circule. Parce je que finis sinon juste là-dessus. J'ai très peu parlé par rapport à mon voisin, si vous me permettez. Donc. Ah, mais ça, on parle toujours moins vous rassure. Et puis, oui, c'est pas, pas, pas vrai. On est deux bitérois, donc laissez-moi faire un petit peu le combat avec lui. non, on est trois, pardon. Béziers est très bien représenté ce soir. Et bien, donc, tant qu'on ne mettra pas des moyens dans la justice et dans les moyens de l'exercer, alors, il ne servira à rien de légiférer. Ce qu'il faut, c'est donner des moyens d'action et pas des moyens de communication. Donc, on va mettre un temps commun pour tous les biterrois <laughs> Allez-y, Je vais répondre du ah, coup, sur deux points. D'abord, sur la question des moyens, vous avez raison. Il y avait des circonstances qui étaient complètement indignes d'exercice du travail de nos forces de l'ordre, que ce soient nos policiers ou nos gendarmes. Je vous invite aussi, en effet, à aller, vous le faites probablement, dans les brigades de gendarmerie, dans les commissariats, et vous allez voir que les choses changent. On parlait de Trapp tout à l'heure. Des... Trapp, vous non, savez, de... le... <laughs> ce qui se passe avec le commissariat à Trapp, c'est qu'il était éclaté en plusieurs lieux, ce qui était à la fois Incompatible avec l'exercice de leur mission. Et ils étaient en plus un lieu qui était extraordinairement dégradé. Et pendant les deux derniers quinquennats, on a promis, promis, promis que oui, il allait enfin être rénové, qu'on allait avoir un commissariat unique à Elancourt de manière à pouvoir travailler sur une zone qui est extrêmement particulière, extrêmement difficile. Trappe, c'est malheureusement la ville de France qui a le plus connu de départ en territoire irako-syrien. Donc, vous voyez les difficultés qui existent, qui sont à la fois des difficultés sociales évidentes, mais des difficultés de lutte contre la radicalisation et le terrorisme. Ça y est, c'est fait. Le budget, il a été voté. Et ce commissariat, il va enfin exister. Donc, les moyens, ils sont là. Et après, là où je suis pas du tout d'accord avec vous, c'est que vous dites c'est un aveu d'échec. Mais moi, je ne crois pas qu'on puisse accepter d'être mis en échec par l'islamisme, <laughs> je ne crois pas qu'on puisse accepter d'être mis en échec face à ceux qui ont voulu défier la République et qui considèrent que leur loi serait supérieure aux nôtres. C'est ce moment où la République doit clairement se réaffirmer. Et si ça, on n'est pas capable. que quelqu'un ici si n'est pas d'accord vous... avec ça sur le fait de oui, s'opposer si au terrorisme. Pas, si ça, on n'est pas, si pas capable de tous l'affirmer. C'est ça, on n'est pas capable de tous l'affirmer ensemble. <laughs> je pense <laughs> qu'on manque un <rire> combat <rire> qui est un combat essentiel pour nos valeurs. Et Boris Vallot, Emmanuel Ménard, puis Brice notre voilà On va dire, dire que le combat contre l'islamisme et contre tous les ennemis de la République, c'est un, un combat que tous les Républicains ont en partage, qui n'a pas commencé avec ce gouvernement. Vous savez les événements tragiques que nous avons eus à vivre en 2012, euh, à nouveau euh, ensuite quelques années plus tard, et la lutte a été implacable. La législation a été renforcée, les moyens du renseignement ont été renforcés, l'école s'est mobilisée avec euh, bien des dispositions pour mobiliser les enfants. Aujourd'hui. Nous devons évidemment continuer avec des moyens de travail pour la police, pour la gendarmerie, pour la justice aussi, pour l'éducation nationale. Mais la grande question qu'il faut que nous nous posions, c'est comment on revit ensemble, comment on arrache à, cette, à ce désir de faire sécession euh, tous ceux qui euh, veulent, vous euh, allez dire, rompre avec les valeurs de la République. C'est vrai de, de, de quartiers entiers, mais, mais qui voient tous les jours la promesse républicaine euh, démentie, quand euh, euh, à l'école euh, on leur dit au fond que leur destin est écrit d'avance, quand par ailleurs il y a des champions, toutes catégories confondues, du contournement de la carte scolaire, quand vous avez encore des centaines de euh, municipalités qui ne remplissent pas leurs objectifs et que les préfets ne se substituent pas aux maires pour, pour, euh, acc pour accorder les permis pour le, pour le logement social. C'est 800 000 places de, 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 de carence de, de ces... De ces euh, de ces, ces municipalités-là. Il faut en faire vivre. Vous êtes, êtes d'accord avec les propos d'Emmanuel Macron aujourd'hui quand il parle de la fragmentation qui Mais existe. il est toujours dans les mots, Emmanuel Macron. Vous savez, le problème, c'est qu'on aimerait de temps en temps un passage à l'acte. On aimerait un passage à l'acte. On a, on a recommencé à détruire des postes dans l'éducation nationale depuis euh, 2017. Il faut quand même le dire avec netteté. Dans nos campagnes. On ferme, moi, j'ai 29 classes qui ferment. Hein. J'ai 500 élèves de plus en collège. On me crée un poste. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on va faire de la République, qu'on va avoir envie de, de, de vivre plus ensemble Je crois qu'il y a deux combats qui sont de mamelles inséparables. C'est le combat laïque et le combat social. Et la difficulté, c'est que nous avons sans aucun doute le combat laïque, en tout cas l'ordre républicain, mais la promesse républicaine, elle est en permanence oubliée. J'entends qu'il y a un désir de rééquilibrage, vous savez, c'est cette espèce de running gag, il va y avoir la jambe gauche qu'on voudrait, qu voudrait muscler. Pour l'instant, elle reste quand même très très atrophiée par rapport par rapport à l'autre. Mais moi je dis passez à l'acte. Nous avons des propositions, même, hein. nous avons des propositions que nous que nous ferons <laughs> la semaine prochaine pour aider la jeunesse qui qui se noie dans cette crise. Allez. Pour Non non, mais pour, pour mieux partager <laughs> la valeur ajoutée dans l'entreprise et mieux payer les premiers de corvée. Eh bien, passez à l'acte quoi. Passez à l'acte. Emmanuel Ménard. Oui, merci de ne pas m'oublier. Non, non, le... Monsieur Valot pointe du doigt quelque chose d'intéressant. Euh, moi, je pense qu'il y, y, y a deux sujets en réalité. Il y a d'un côté la sécurité. Et la sécurité, vous savez, elle marche euh, effectivement sur ces deux jambes. D'un côté, la police, de l'autre côté, la justice. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On a un sentiment d'impuissance parce qu'on voit l'insécurité qui gangrène les quartiers, pas que les quartiers d'ailleurs. Il y a des, des chiffres qui sont sortis la semaine dernière pour montrer qu'aujourd'hui, l'insécurité dans les territoires ruraux, dans nos campagnes, pour parler clairement, euh, elle augmente. Avant, c'était beaucoup... Plus cantonné beaucoup plus spécifique aux grandes villes. Maintenant, c'est aussi dans nos campagnes. Et donc, les Français ont le sentiment que cette insécurité les gagne et ils ont ce sentiment d'impuissance. L'autre sentiment, c'est évidemment côté justice, ce, cette espèce de, de sentiment d'impunité, puisque les citoyens ont l'impression, les citoyens en France ont l'impression que quand un, quand un petit malfrat se fait arrêter ou quand un petit dealer se fait arrêter, le lendemain, ils sont à nous, il, est, il est à nouveau devant, ses, devant leur fenêtre en train de, 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 de parader ce pavané. Donc là, il y a vraiment un problème qu'il faut prendre à bras le corps et ça fait partie des problèmes de moyens. L'autre, L'autre aspect du problème, c'est évidemment l'éducation et ça, je pense qu'on on, on ne fera pas l'impasse sur l'école de la République. L'éducation, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème avec l'école. Vous n'avez pas tous les mêmes solutions, vous avez tous cette, non. cette conscience qu'il y a un problème à l'école aujourd'hui. Oui, mais bien sûr, vous voyez, écoutez, écoutez la cérémonie d'hommage à Samuel Paty, la cérémonie d'hommage à Samuel Paty, 800 incidents répertoriés, sans compter tous ceux qui ont dû avoir lieu et qui n'ont pas été répertoriés, qui ne sont pas remontés. On a maintenant 6 professeurs sur 10 qui constatent qu'il avoir constaté déjà dans leur classe des actes de séparatisme. Et dans les REP, les, 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 les zones les d'éducation prioritaire, les cartes, voilà, on a un professeur sur deux qui avoue s'être déjà auto-censuré. Donc, on voit bien qu'il y a un problème. Emmanuel Ménard, vous n'avez pas confiance en Jean-Michel Blanquer pour lutter contre ces fléaux Ben non, parce que quand je l'interpelle sur ces différents points, on me répond, comme il l'a fait encore tout à l'heure, on me répond euh, éducation en famille et on me répond école privée hors contrat. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas euh, les écoles privées euh, hors contrat catholiques qui commettent les attentats terroristes. Alors, bon, on va mais... nous, il, y a, il y a un mais troisième qui est quand même l'immigration. Parce, parce que mais Ménard a raison de dire qu'il y a l'école, il y a la sécurité, mais je voudrais quand même, parce qu'on a eu oui. tendance à l'éteindre dans le débat, si vous n'arrêtez pas le problème migratoire, vous, vous augmentez le problème d'assimilation. C'est-à-dire Nous avons déjà des zones entières, on avait M. Peu de Seine-Saint-Denis, qui ne sait même pas dans son département combien il y a d'habitants, il est incapable à 300 000 personnes près de savoir combien il y a d'habitants en Seine-Saint-Denis, donc vous avez une étape d'abord, qui est de freiner le phénomène migratoire et de considérer qu'on ne devient pas français comme cela, avec un allongement de 10 ans. C'est dans le programme d'ailleurs des républicains de ce point de vue. C'est combien d'habitants C'est 1 million et un million et demi. C'est l'INSEE qui considère que quand même à 300 000 personnes de ne pas savoir, c'est un problème. Mais je voudrais pas.. Mais plus qu'un problème. Oui, non, mais, mais ce n'est pas la faute, responsabilité de, de mon ami Stéphane Peu. Ah ben non. Mais euh, je ne voudrais et pas le laisser... Délice... Dire le, le problème de l'école, moi je suis prof de lycée professionnel depuis 25 ans. Ce n'est pas les problèmes qu'a pointé Mme Ménard. Je l'ai dit, c'est qu'il y a des établissements, lorsque les enseignants sont absents, ils ne sont pas remplacés. Vous savez ce que c'est Une AESH, c'est les dames qui accompagnent les élèves qui ont, des, qui, qui, qui ont de handicap. Elles sont précarisées totalement. Elles sont encore mobilisées actuellement. On ne peut pas, et on pourrait continuer la liste, et ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est passé un peu vite. Mais comment accepter l'idée qu'un collège de centre-ville a des moyens qui ne sont pas les mêmes qu'un collège de banlieue Et c'est pour ça aussi que je pointe le problème aussi d'un système d'école privée qui capte les élèves les plus favorisés. S'il n'y a plus de brassage, non, mais après on peut pas. Les bacs sont libéraux. On leur enlève les profs. Mais c'est pas Si vous acceptez l'idée que nos enfants, selon leur origine sociale, ne vont plus dans les mêmes écoles, c'est une séparation sociale. Mais un territoire euro, ils ont aussi le droit d'avoir des classe éducative. Le dédoublement <laughs> qui a lieu en REP c'est très bien, mais vous avez des territoires en zone rurale qui sont tout autant sinistrés, vous, vous, vous avez de contact, les des pertes d'emploi, et n'allez pas dire que c'est la faute de l'enseignement privé. L'enseignement privé, il essaye de faire sa mission qui est la sienne, je dirais, avec son charisme propre, sa mission pédagogique propre, il n'a rien à voir ni avec nos problèmes de séparatisme. Ne cherchez pas des Il Madame rien comme quoi, si 12 milliards oui, comme comme pour quoi se... la gauche et la droite sur l'école privée existent toujours. Non, hein, non, parce non, parce que non, là, vous trouvez qu'il y qu a trop de moyens à l'école privée. Les deux écoles de on Sardou en 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 ont encore souverain de, de l'avenir, dit, On dit qu'il y a un sujet de mixité sociale qui concerne ça, les, le les établissements publics. Il y a des établissements qui supportent toutes les difficultés et d'autres qui n'en supportent aucune. Et c'est vrai aussi de l'enseignement privé qui, globalement, globalement... Mais parce que des gens comme vous, notamment, passent son temps à faire de l'éducation nationale bashing. L'éducation, bon. elle accomplit <laughs> le miracle Parce que le malheur de d'accueillir des enfants. Mais écoutez. Alors. Attendez. Défondons un peu plus. Aurore au au Berger, plus et si y il y a deux que personnes, que personnes gens, moi, qui n'ont pas du partie tout parlé encore c'est Brice Satoy et Nathalie Saint-Cric. Non, Aurore Berger, après Brice. Brice. Sur Allez parce est Rapidement, c'est si vous plaît. Est un point essentiel. Et vous êtes où, vous Côté euh, droite ou côté gauche bah, Côté central. Ah, bah en même temps, ça ah, on bah, en fait, vous savez. Et en vérité, je préfère, en effet, être à bonne distance parfois des deux. Et une façon d'être Non, je crois pas. Non, ce n'est pas une manière d'être nulle part. C'est au contraire une manière de savoir exactement. Vous avez toujours été nulle part, c'est le même temps. Non, mais très bien. Mais vous, si vous pensez que la modération et la capacité à faire des Compromis, c'est forcément un défaut dans la vie politique ou dans notre vie quotidienne. Non, je, je pense que c'est dommage. Si vous, vous tout pensez tout que, notre seul, notre que notre seule espérance, c'est une radicalité de plus, plus avoir en fait plus forte, en fait, effet, en fait, je ne suis pas, pas. d'accord avec vous sur les oui. thèses qui sont les vôtres. Ça je ça pas plus que je ne suis d'accord avec celle de Manuel Ménard sur un certain nombre de thèses. Sur l'école, je voudrais juste dire un mot sur l'école. Non, j'ai pas envie de refaire le débat entre l'école privée et l'école publique. Je trouve que c'est dramatique d'en être là. La vraie question, c'est en effet pourquoi on a des parents qui aujourd'hui considèrent qu'il ne vaut mieux pas les mettre dans l'école publique. Là où vous vous trompez, c'est qu'en vérité, vous avez énormément de parents qui sont issus des classes populaires, qui font des sacrifices y compris oui, financiers pour mettre leurs enfants bah, à l'école privée. Vous, Donc c'est pas Alors, du tout une question de classe ou de mixité sociale, ben, et mais c'est mixité sociale. Vous l'avez aussi dans mais des écoles privées. Il y en a deux, il y en a il voilà, y en a quoi. deux. Un, il y avait en effet une concentration des difficultés. D'où ce qui a été fait sur le dédoublement des on classes On repérait plus. Ouais, parce qu'un oui Je finis, j'en ai plus. Non, mais ah, vous n'arrêtez oui, oui, pas de dire que vous finissez, vous n'arrêtez ouais, pas de commencer. Pas arrivé, alors, on peut pas y arriver. Très bien, mais en même France. temps, -y. il y a cinq personnes qui sont dans l'opposition et une seule dans la majorité. Donc permettez vous juste avez... que je La oui, majorité a eu un beau plateau. Parce que vous étiez de droite et de gauche, vous êtes aussi avec M. Opa. Non, je ne crois pas. Je dis juste sur l'école, il y avait un des concentrations de difficultés dans un certain nombre de territoires, d'où le dédoublement. Et c'est probablement la mesure sociale la plus puissante qui a été faite de se dire qu'on concentrait justement plus de moyens là où il y en avait le plus besoin. Le et, il y a ensuite, le et il y a ensuite, malheureusement, une difficulté, c'est que vous ne reconnaissez pas que malheureusement, dans l'école publique, il y a en effet de l'autocensure qui existe de, de certains enseignants. Et donc, il y a un renoncement je pas, qui peut exister. Et c'est ces, ces lycée deux... qu'il faut hein. absolument travailler. Renforcement en des moyens et arrêter et de fermer les yeux sur des difficultés qui existent. Est-ce qu'on est qu a le droit de donner la parole à Brice Teinturier Voilà, est-ce que Brice voulait poser la question aux Français, savoir ce qu'ils pensent sur toutes ces questions de... On vous donne la parole, gardez-la parce qu'elle est précieuse ce soir. <laughs> Non, non, mais je ne vais pas essayer de la garder excessivement longtemps. Oui, c'est un sujet qui inquiète et qui inquiète fortement les Français. De toute façon, dans ce qui est exprimé ici ce soir, on retrouve un condensé du sentiment qu'ont les Français que les menaces sont multiples, que les sujets sont devenus extrêmement complexes et que le clivage gauche-droite, ça, c'est l'analyse qui le dit, n'est quand même pas mort, parce qu'on voit bien qu'il y a des sujets autour des inégalités, autour de la redistribution, qui sont évoqués et qui préoccupent les Français. Et puis des sujets qui sont d'ordre davantage régalien, l'immigration, l'insécurité, qui préoccupent, j'ai envie de dire, d'autres Français, parce que les familles politiques, ça existe. Les sympathisants LR et RN sont beaucoup plus proches et préoccupés par les sujets d'islamisme radical ou par les sujets d'ordre sécuritaire. Les sympathisants de gauche restent beaucoup plus préoccupés par les dimensions sociales et la redistribution. Et les Français sont soumis à un flux, et on le voit bien dans le débat, à un flux d'informations qui évoque et ce sentiment de multiples menaces. Donc ils sont très inquiets. Si on revient maintenant sur ces questions plus régaliennes par l'islamisme radical, là dans l'enquête qu'on a réalisée, c'est un résultat qui est assez spectaculaire. On a 60, 94% de Français qui nous disent que l'islamisme radical les inquiète, mais surtout 64% que ça les inquiète beaucoup. Donc on transcende malgré tout les clivages. Il y a d'autres clivages générationnels qu'on n'a pas abordés ici. Les jeunes sont moins impactés par ça et plus préoccupés par d'autres sujets. Mais en tous les cas, on est dans un moment où, entre le Covid, les sujets économiques, les sujets régaliens... Les sujets d'éducation qui occupent une grande place, oui, on a un condensé de tous les maux de la société française. Et à qui, à quel parti, à quelle famille politique font-ils confiance pour essayer de, de, de s'attaquer, de régler ce problème d'islamisme radical Et déjà, est-ce qu'ils font confiance dans le gouvernement pour régler ce problème Alors, la confiance à l'égard du gouvernement pour régler, pour lutter contre l'islamisme radical, elle est faible. Euh, on est à 39 de Français qui font confiance au gouvernement. Donc, on est dans quelque chose qui recouvre la popularité ou la confiance générale à l'égard de ce gouvernement qui oscille entre 38, 39, 40 Donc on est exactement à ce niveau. Il y a de très forts clivages. Les sympathisants LR ne font absolument pas confiance au gouvernement sur ce sujet. Les sympathisants du Rassemblement national, pas du tout non plus. C'est plus partagé, c'est les sympathisants PS ou les sympathisants même de la France insoumise. Et ce qui est tout à fait, je crois, intéressant et symptomatique par rapport au débat qu'on a eu entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen, c'est quand on demande aux Français à quel parti politique ils font le plus confiance pour proposer des mesures efficaces pour lutter contre l'islamisme radical. Là, le résultat, vous le voyez est quand même spectaculaire, c'est bien le Rassemblement national qui est perçu par quasiment une majorité de Français, par 47% de Français, comme le plus capable de faire des propositions sur ce sujet. Donc la crédibilité du Rassemblement national écrase la crédibilité des autres formations politiques sur ce sujet, notamment parce que les sympathisants LR font aussi très confiance au Rassemblement national pour être efficace sur ce sujet. Et c'est pour cela, je crois, que dans le débat que nous avons vu en début de, de plateau, eh bien Marine Le Pen n'avait pas besoin de hausser le ton. Sur le fond des sujets, elle est déjà crédible. Et du coup, sur la forme, elle pouvait apparaître comme étant en recherche de consensus et pas du tout comme étant dans la radicalité. Elle a déjà sa crédibilité, on le voit là sur ce sujet qui est installé. Nathalie saint euh, Oui, justement, en entendant ce que les analyses de Brice ont dit, une chose, en vous écoutant également tout à l'heure depuis le début, que je ne comprends pas très bien pourquoi on est parti de la décapitation de Samuel Paty pour en arriver au manque de moyens à l'école. Il y a les deux problèmes qui cohabitent. Il y a le problème, effectivement, comme on l'a vu, de séparatisme, d'islamisme, on peut appeler ça comme l'on veut, qu'il faut, à mon avis, traiter, peut-être avec des moyens de police, avec des moyens administratifs, peut-être des moyens. Et ça n'empêche pas de, de considérer qu'effectivement, l'ascenseur social est bloqué, qu'il y a de la désespérance dans les banlieues. Mais moi, j'ai l'impression d'entendre depuis 25 ans que c'est un manque de moyens. Peut-être peut-on peut se dire aujourd'hui qu'il y a certes le manque de moyens qui est important, mais que la crise que traverse la société actuelle n'est pas uniquement limitée au manque de moyens. Et qu'il y a, quand on voit les, les ouvrages de Jean-Pierre Aubin, quand on voit... Tout toute une littérature, ça n'est pas qu'une histoire de moyens, c'est aussi une histoire de perception de la société, d'accord de, 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 ou non à un certain nombre de valeurs. Donc je ne vois pas pourquoi on ferait une dissociation entre ces deux problèmes. Mais j'ai cru quand même comprendre mmh. que, et Madame Regol aussi disait qu'en gros on était en train de se diviser au lieu d'essayer de faire nation comme on dit aujourd'hui. Oui, d'accord, mais autant avoir une vision claire et nette de ce que ce séparatisme peut être et de le traiter. En tout cas, c'est l'impression que j'ai en écoutant également les chiffres de Brice. Boris Vallot voulez réagir. D'abord dire que euh, le discours d'Emmanuel Macron euh, est antérieur euh, aux dramatiques attentats euh, Absolument. dont nous en avons à connaître. D'ailleurs, M. Darmanin, vous avez reçu pour un certain nombre d'entre nous, il m'avait dit c'est bien qu'on fasse une loi sur la lutte contre le séparatisme à un moment où il n'y a pas d'attentat, parce que ce sera au fond un débat moins passionné. Il se trouve que l'actualité tragique euh, nous a rattrapé donc c'est et l'un et l'autre et il ne s'agit pas et je ne crois pas avoir dit ça j'ai bien dit que la république c'était l'ordre républicain et c'est la promesse républicaine et que l'un ne peut pas aller sans l'autre que le combat laïque et le, et le combat euh, social doivent aller de pair sinon on rate les choses et que la république ça n'est pas qu'un catéchisme et une forme d'incantation c'est une culture partagée qui se transmet qui se comprend qui euh, nous émancipe et qui est notre euh, l'air que nous respirons et donc il euh, y a la question des moyens et la question de la façon dont on euh, enseigne, la façon dont on vit ensemble. Je, dire, je ne demande pas de moyens supplémentaires quand je dis que depuis 20 ans des communes ne respectent pas la loi de la République en termes de logement social et qu'il manque du fait de ces carences encore à peu près huit cent mille logements. Non mais c'est un sujet important. Si nous ne vivons pas ensemble dans les mêmes quartiers, mmh. si nous n'allons pas à l'école ensemble, si nous ne grandissons pas ensemble, comment pouvons-nous grandir ensemble et Je crois que ça c'est un rapport, un, un, un rempart qui nous sera commun. Quelles que soient nos origines, quelles que soient nos confessions, que l'on croit ou que l'on ne croit pas, face à tous ceux qui voudraient nous diviser. On a entendu je euh, Boris Vallaud. Alors, Boris Vallot a raison sur les ghettos. Après, il faut aussi balayer devant votre porte la loi SRU qui prévoit des planchers pour, les, pour les, notamment les logements sociaux. Et c'est peut-être pétri de bonne intention, mais vous avez aussi des zones où vous n'avez pas de plafond et donc vous vous retrouvez avec en fait une uniformité sociale. Ensuite, je crois qu'on confond le retour de l'État et le nombre de fonctionnaires. Oui. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un besoin de proximité, euh, que dans certaines euh, zones de l'administration, on manque de moyens. Mais ce qui manque surtout, c'est l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État, ça n'est pas les moyens, ça n'est pas la même chose. Euh, moi, je suis toujours étonné quand je vois qu'on recense beaucoup mieux les cas de contact Covid que les cas de contact terroriste. Car dans l'affaire de Samuel Paty, en réalité, vous avez eu des, des signalements, etc., des signaux précurseurs, et l'administration n'a pas réagi. Il y a bon nombre de mesures où, en réalité, les préfets ou le ministre préfèrent euh, temporiser. Et je crois que, face à un adversaire aussi redoutable que l'islamisme, on a besoin, au contraire, d'assumer le fait oh, qu'on est, on est gargé, on... vous n'êtes pas d'accord non, je suis d'accord parce que je suis élue de ce territoire dans les Yvelines, donc je, je sais ce qui s'est passé. Et vous ne pouvez pas dire que Samuel Paty n'a pas été soutenu. Il a été soutenu par la directrice de l'établissement. Il a été soutenu par ses d accord, d accord, collègues. Et je crois que c'est important a de bossé, dire. C'est très important. C'est très important de dire que justement l'institution scolaire l'a soutenu. Ils ne l'ont pas. Mais c'est essentiel. Les le parents d'élèves oui. qui attaquaient M. Paty. Oui. D'accord. Qui avait un cursus assez lourd au plan de l'idéologie oui. islamiste. Normalement, lorsque un personnel de l'éducation nationale le rencontre, il mm -hmm. aurait dû avoir des alertes. On devrait mais savoir il que ce eu. monsieur. Il y mais y alors dans ce cas-là, y a eu des alertes. Si, ben ben, alertes, il y a eu des alertes. Et vous ne pouvez pas en porter le proviseur aurait dû nationale. savoir qu'elle qu avait en face de lui non pas un simple parent d'élève, mais quelqu'un qui était en réalité un agitateur professionnel Allez. et Emmanuel un idéologue. Ménard. Emmanuel Ménard et Alexis Corbière. Oui. Je voudrais revenir au sondage. Ah, non, oui, vous savez pourquoi les Français font davantage confiance au RN pour éradiquer l'islamisme C'était ça. Oui, mais. <laughs> parce, tout simplement parce que et, et on revient sur ce projet de loi c'est le péché originel de ce projet de loi on ne nomme pas l'ennemi l'ennemi c'est l'islamisme et on ne le nomme jamais et en fait on fait un texte où on amalgame tout le monde et on met tout le monde dans le même sac et toutes les religions et aller et le catholicisme qui vaut les autres et, 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 et l'islam on ne demande pas à faire un texte contre les religions or c'est ce qu'a fait le gouvernement il fait un texte contre les religions, il fait un texte contre euh, des minorités. Nous, ce qu'on demandait, c'était un texte contre l'islamisme. Et on n'a pas peur de le dire. On n'a pas peur de nommer cet ennemi. Et en fait, c'est à force de se cacher derrière les mots et de pas vouloir nommer les choses ou nommer les actes terroristes qu'on en arrive à, effectivement, à, à ce que les Français croient plus en, peu, aux politiques. C'est aussi simple que ça. Alexis Corbière et Moi, Sandra Rodolphe. Je voulais raccrocher sur ce qu'a dit Nathalie saint cric qui pensait qu'il y avait une... Une cassure inutile dans le débat, mais moi je vais citer Jaurès. La République va être sociale et laïque, elle restera laïque si elle est sociale. Et on, la laïcité, ça ne va pas être une abstraction. Et la question sociale, elle est liée. Pour, la question, c'est pas faire aimer les mots de République, c'est faire aimer la chose. Pourquoi je vous parle de l'école Pourquoi je vous parle du fait que dans mon commissariat Montreuil, il y a des postes supprimés que ça pose problème sur le fait qu'on a des personnes à l'éducation nationale de moins en moins payées, non remplacées, etc. C'est etc. que c'est ça. Si on veut faire aimer les choses, j'ai n'ai pas le temps d'une société fragmentée. Les gens doutent de la République parce que s'il s'agit, comme vous voulez le faire, uniquement les mettre au garde à vous dans le drapeau, ça n'intéresse pas grand monde. Si par contre on leur dit la République, c'est la belle promesse que vos enfants, même si vous êtes issus d'un milieu social, ils auront droit à une belle école, quel qu que cas. soit le niveau, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est. Bah, écoutez, c'est un désaccord majeur. J'affirme ici que nos écoles de saint, -Saint denis n'ont pas la même qualité que les écoles parisiennes ou des grands centres urbains. Et que c'est choquant. Tous les chiffres sont là. Vous le niez, c'est votre affaire. Et c'est ça que je dénonce. Si vous ne voyez pas ces phénomènes systémiques inégalitaires, que selon le lieu où tu habites, tu n'as pas les mêmes chances dans la vie. Eh bien Vous êtes dans des mots abstraits. Vous répétez République. C'est exactement ce qu'a dit Emmanuel Macron. Eh ben, non, mais j'ai bien compris. Écoutez, c'est pas parce qu'Emmanuel Macron non, non, le mais dit. Mais je dis juste Mon problème avec euh... Emmanuel Macron, il, parle, il a même dit au bureau ce séparatisme que nous fabriquons. Ouais. Emmanuel Valls, que je n'aime pas, avait dit lui un apartheid social. Bon, arrêtez avec les mots, agissez. Mais qu'est-ce qui est fait Qu'est-ce qui est fait pour ça Quand un préfet ne respecte même pas la législation sur le, le droit social, le, le nombre de logements sociaux, le, quand, pardon, quand un maire, le préfet n'intervient même pas. Là, on vient d'évoquer un texte. Celui avec lequel je suis en désaccord, moi, hein. il va donner plus de pouvoir administratif pour dissoudre des associations culturelles musulmanes. Parce qu'elle n'aurait pas appliqué le fait qu'elle ait mis en place une instance de délibération. Par contre, un maire qui n'applique pas la loi au niveau du logement social, lui, on n'y touche pas. Moi, ça m'insupporte. Mais arrêtez, ça fait 4 ans que ça dure. Mais vous voulez voir la réalité en Seine-Saint-Denis Vous voulez que je vous dise, le taux de mortalité Covid, pourquoi il est à 130% plus élevé en Seine-Saint-Denis que chez vous, dans les Yvelines Parce que chez nous, les conditions sociales ne sont pas les mêmes. Mais c'est une réalité. Si vous ne voulez pas voir ça et qu'on discute laïcité de manière abstraite, en oubliant le fait par ailleurs qu'il y a trois départements, je tiens à le dire, où encore en France, la loi 1905 ne s'applique pas. Alsace-Moselle, la laïcité partout. Et non mais il faut la Alexis loi. C'est pas une discussion de manière abstraite. Vous avez entendu bah, si Brice Peintuyer, vous avez non, vu les chiffres... De... On peut, vous pouvez ne pas croire les sondages, mais vous avez Quel vu le, le chiffre qu'il vient de, de, de donner en, en disant que 94% des Français se disent inquiets de l'islamisme. Mais, mais je les comprends, vu Non mais parce que ci, vous avez l'air de dire qu'il n'y a pas de problème, le problème n'est que social. Est-ce qu'on peut parler de ce que je suis en train de dire On mais, peut mais se faire vous... une belle soirée <laughs> sur l'école Non mais est-ce qu'on peut faire une belle soirée On exactement ce qu'on est en train de faire. On va de l'école. Pour laquelle, y compris le, le petit désaccord, pour pas dire le gros, que j'ai avec cette émission, c'est que la scène que vous mettez en place, si le seul sujet des conversations d'ici 2022, c'est Le Pen-Macron qui nous parle foulard islamiste. Le pays va et dans le mur. Je vous invite que... à regarder toutes les émissions qu'on je ne je les et, et traite... et je suis pas content de ce point de vue là, parce que vous fabriquez une vous une politique. Vous n'avez pas à faire la, 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 la bah, liste éditoriale. Bon. Oui, bah, bah vous venez, bah, après, vous, vous êtes là ce soir, vous donnez votre parole. Franchement, qu'est-ce que vous avez à dire de voter Nous, et quoi, quoi, la, oui, la et règle, on ne va pas polémiquer là-dessus. La règle, droit de dire ce que je veux. Oui, absolument. Mais nous, on a aussi le droit de dire qu'on respecte les équilibres sur toutes les émissions qu'on invite tout le monde. moi, je vous la parole que je connais parfaitement les idées le débat. Thomas le neuf Là, il y a un projet de loi séparatisme qui est à l'Assemblée nationale, on a décidé. On a décidé d'accorder une heure d'émission. Ben voilà, donc sur ce le gouvernement a réussi son coup. Bravo, Alors, il a, il a voilà. touché la cible, on parle que de ça. Alors, est Sandra Regol. Ça. Euh, on n'est pas en désaccord sur l'avant-dernier point euh, avec Corbière sur l'inégalité territoriale et le non-respect de la promesse républicaine, mais ça, on est plein à le dire. Euh, Madame Saint-Cric disait tout à l'heure que ça fait 25 ans, vous me corrigez si je dénature vos propos, que vous entendez dire qu'il n'y a pas assez de moyens. C'est un fait. Mais ça fait aussi 25 ans que moi, qui suis à peu près en âge de voir ce qui s'est passé sur ces 25 dernières années, je constate que plus il y a de lois. Dites pour notre sécurité, et plus il y a de lois sécuritaires et moins la, la sécurité est ressentie sur le territoire. Moins, en fait, les gens se sentent en sécurité et moins on l'est. D'ailleurs, les actes terroristes ont augmenté au fur et à mesure qu'on nous vendait cette promesse sécuritaire. Et c'est là que le bas blesse et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut plus de moyens. Parce que si on a des moyens sans effet, à quoi servent ces moyens Si on a des actes de communication pour dire vous êtes en sécurité, mais que nous ne sommes pas en sécurité, à égalité, sur tout le territoire, comme le définit la Constitution, c'est ainsi qu'est conçue la République, alors ces moyens ne valent rien. Je... Les Merci. moyens... Si je vous me laissez terminer, s'il vous plaît. Ouais. C'est ces euh, pour ça que je combats ce texte. Vous êtes bien urbain, mais vous continuez quand même à parler après m'avoir dit pas de souci, continuez. Eh bien donc, ces moyens... Ils sont nécessaires, mais il y a aussi autre chose qui est importante. C'est l'exemplarité des politiques qui les mettent en place. Et là, ce soir, on a eu quand même un très beau festival entre Marine Le Pen et les emplois fictifs au Parlement européen. Monsieur Darmanin et les accusations il, euh, dont il est l'objet et sur lesquelles je vous remercie d'avoir fait un point particulière parce que pour toutes les personnes ou tiens monsieur Fillon et ses affaires ou monsieur Sarkozy et ses affaires voyez ce personnel politique qui dit il faut changer les choses il faut lutter contre le terrorisme il faut lutter contre les petits malfrats comme vous disiez l'un ou l'autre tout à l'heure bon. mais que représente que représente la classe politique quand elle est à ce point peu digne des mots qu'elle emploie Sandra Regol merci beaucoup on a une toute dernière question parce que vous êtes tous des parlementaires, à votre exception, mais vous êtes là au nom des, au nom des Verts, euh, tous oh, des, des, des députés ici. Ce n'est pas forcément un objectif dans la vie. Alors, écoute, coup, Absolument. Hein. <laughs> Merci, Julien Aubert. Il <laughs> euh, y, y a une question qui est très simple. On enfin, va juste vous demander de voter. Qui est pour l'instauration de proportionnel pour les législatives de l'année prochaine Oui ou non, Aurore Berger Pour ou contre On avait fait cette promesse d'avoir une pour dose de proportionnels. Pour si pour on veut le faire, je serai pour et je le voterai. Pour je suis contre, c'est le retour du régime des partis qui décideront qui représentera le peuple. Emmanuel Ménard. Absolument contre également pour les mêmes raisons que mon voisin et euh, parce que je pense que c'est euh, vraiment couper les députés de leurs électeurs, du terrain, de leur circonscription, c'est pas une bonne idée. Boris Vallot. Écoutez, si on ne répond pas à la question du déséquilibre institutionnel et d'une cinquième République à bout de souffle, ce sera parfaitement inutile. Si on est prêt à s'attaquer à ce sujet-là, et un régime qui soit authentiquement parlementaire d'une nouvelle vitalité démocratique. Alors parlons Donc oui, mais pas que des, que ça. Parlons que ça. des modes de scrutin. Sandra Rogol. Pour parce que le premier parti de France aujourd'hui, c'est l'abstention. Et l'abstention, elle est construite sur plein de choses dont on a parlé ce soir, mais aussi sur le fait que chaque voix ne compte pas. La proportionnelle, c'est le seul moyen de dire vous pouvez vous déplacer dans les urnes, votre voix sera entendue. En dehors de ça, chaque voix ne compte pas, pourquoi se déplacer Donc pour depuis toujours pour les écologistes. Une sixième république, nous sommes pour. Et cette sixième république qui donne plus de pouvoir aux citoyens, avec des référendums d'initiative citoyenne, avec le droit de révoquer les élus, avec moins de pouvoir quasiment. Ah, mais là, pour, pour l'année plus... prochaine, elle ne sera pas mise en non place. Non, mais j'entends bien, les... dans ce cadre-là, oui, leur proportionnel, Oui, la proportionnelle, pour garantir pour, le pluralisme. En attendant plus aussi. Pour garantir le pluralisme, évidemment, mais avec d'autres droits. Mais après, juste, j'ai trop d'expérience pour savoir qu'il y a aussi proportionnel et proportionnel. Absolument. Il peut y avoir des découpages, on verra. Il y a des nationales, départementales, avec des corrections. Et il peut y avoir une grosse combine derrière ça. Et j'apprécie pas trop qu'à quelques mois d'élection, on change la règle, de manière générale. Mais sur le fond, il faut en finir avec la cinquième. Je vais vous dire. Mais non, juste... surtout pas. Je vous assure, si vous ne l'aviez pas démantibulé sous Mitterrand, elle fonctionnerait très bien. Moi, je suis élu seulement avec 20% des électeurs de ma circonscription. 80% des électeurs ne votent pas pour moi. Et tous les parlementaires, pareil. Les gens ne croient plus en leurs élus, ils ne les représentent pas. C'est un problème de fond. Emmanuel Ménard. juste ajouter quelque chose, contre la proportionnelle, mais pour le retour au septennat, pour éviter justement que cette Assemblée nationale ne soit qu'une chambre d'enregistrement. Non, à partir de la prochaine fois. Je voudrais, et ce sera le mot de la fin à chacun... On est à un an de la présidentielle. Ce soir, ça a été un peu le coup d'envoi des grands débats. Il y aura d'autres personnes que Gérald Darmanin et Marine Le Pen qui seront représentées. Toutes les tendances politiques seront représentées, en tout cas sur le service public. Euh, Emmanuel Macron est au pouvoir depuis quatre ans. Il a affronté les gilets jaunes. Il a affronté la réforme des retraites. Il a affronté, il affronte comme le monde entier la crise sanitaire. S'il restait une chose de son mandat, positive ou négative, ça c'est chacun, chacun qui jugera. Vous retenez quoi, vous, du mandat d'Emmanuel Macron de ces quatre ans au pouvoir Allez, Boris Vallot. Une grande solitude dans l'exercice du pouvoir, beaucoup d'indifférence euh, aux désaccords qui peuvent s'exprimer euh, voilà, dans l'opinion, dans le pays. C'est un homme qui avance seul. C'est une phrase, hein, c'est une phrase euh, Emmanuel Ménard. Contrairement aux apparences, je pense qu'il a parfaitement continué le, prolongé le travail de SAP qu'avait fait M. François Hollande pendant 5 ans. Et je pense que là, on va arriver à un vrai problème pour notre civilisation occidentale. Julien Aubert. Je crois qu'il aura beaucoup parlé. Et peu fait. Sandra Ogol. Malgré les promesses faites, un recul indéniable sur la question environnementale, qui est sanctionné en plus par les plus hautes juridictions, un recul, une inaction qui est criminelle, comme c'est très bien documenté aujourd'hui, un véritable danger pour demain. Bien sûr. <laughs> On a beaucoup parlé de l'école, et moi je conclurai sur l'école. Parce qu'on a commencé le quinquennat avec le dédoublement des classes en et plus. Et au cœur de la crise sanitaire, contrairement à beaucoup de pays, on a tout fait pour que l'école reste ouverte, parce qu'on savait que fermer les écoles, c'était augmenter les inégalités dans notre pays et que ça n'était pas tenable. Et je crois que ça, c'est clairement une différence française, et une forte différence française. Alexis Corbière. Le mépris social. Un million de pauvres supplémentaires depuis 2017. Un million. On est presque à 10 millions dans ce pays. Franchement, avoir le cœur sec face à ça et une minorité toujours plus riche, c'est intolérable. Merci, merci Léa, merci, merci Thomas, à tous. merci à tous d'avoir participé à ce débat et à cette soirée 100% politique. C'est la fin. De vous avez la parole. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Nos deux rédacteurs en chef, Jean-Michel Carpentier et Nathalie Saint-Cricq. Un merci particulier à Edwige Audibert, Julien Navarro et Charlotte Leloup, ainsi qu'à Anne Bouville. Merci également à Serge Calfon, notre réalisateur ce soir. Adèle.